Yahoo, Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Le Prix du Reste de ma Vie. Le manga Le Prix du Reste de ma Vie est un manga en 3 tomes des éditions Delcourt Tonkam. Nous sommes dans le genre drame et étrange de vie. La série date de 2016 au Japon et de début 2020 en France pour son premier tome. La série est âge conseillé aux 14 ans et plus. Et en ce qui concerne les mangaka, je te les mets juste à côté de moi. Pour ce qui est du manga, c'est tout ce qu'il y a à savoir, à part que nous sommes dans la collection Moonlight des éditions Delcourt Tonkam. C'est une nouvelle collection avec 4 titres de disponibles actuellement. Avant de commencer cette partie, je tenais juste à te rappeler, bien entendu, que si tu aimes à tout moment la vidéo, à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager. Pour ce qui est du résumé, on suit les aventures d'un jeune homme qui a clairement une vie pourrie. Il est en je pense qu'il est clairement en dépression. Il est il suit encore les cours, il a un job, mais rien ne se passe bien. Et il se fait chier dans sa vie et donc il décide, vu qu'il a des gros problèmes financiers, de revendre tous ses DVD et tous ses livres pour gagner un petit peu d'argent. Seulement en fait, il ne gagne quasiment rien du tout en les revendant. Et le vendeur de DVD puis le vendeur de livres vont, enfin c'est l'inverse, c'est le vendeur de livres en premier et le vendeur de DVD après, vont lui dire, écoute, il y a un endroit dans la ville, à telle adresse, on peut racheter ta vie contre de l'argent. Donc la vie, la santé, etc. Et donc le jeune homme va y aller par pur hasard parce qu'il va se balader en ville et il va se retrouver comme par hasard à être devant cette adresse-là et donc il va quand même tenter le coup. Il voit que sa vie ne vaut pas grand-chose, elle vaut 300 000 yens si je ne dis pas de bêtises, donc ça veut dire 3000 euros. Voilà, grosso merdo, hein, un peu moins. Mais en gros, sa vie vaut moins de 3000 euros. Et donc, il va quand même décider de revendre toute sa vie, sauf 3 mois. Et c'est là que l'aventure va commencer. On va suivre en fait les aventures des 3 mois de ce jeune homme, ainsi que la jeune femme qu'on voit sur les couvertures, qui est en fait celle à qui il a revendu sa vie, mais aussi du coup son gardien. Parce que l'agence chez qui il a revendu sa vie, en fait, instaure ça. Les 3 derniers mois de vie, tu as une personne pour te surveiller, pour analyser en fait ce que tu fais, etc., pour reprendre des notes. Et les 3 derniers jours qui te restent, on te laisse tout seul, histoire que tu aies ton minimum d'intimité pour tes 3 derniers jours. Et c'est ça que l'on va suivre. Donc dans ce manga, on va suivre les 3 derniers mois de ce jeune homme. On va bien entendu nous mettre en avant qu'on a beau des fois garder en souvenir quelque chose, une promesse par exemple qu'on a pu faire à quelqu'un, mais avec les années, avec ce que l'on a dit, avec ce que l'on a fait, avec la façon dont on a agi. Des fois, ces promesses-là, les autres l'ont par exemple oublié ou l'ont fait peut-être par intérêt personnel et pas par... c'est fait comme ça, en fait, sans arrière-pensée. On va voir que des fois, des gens que tu croyais être tes amis, au final, n'étaient absolument pas ton ami et au contraire, se foutaient bien de ta gueule, etc., etc. On va nous montrer, en fait, l'envers du décor de ce qu'est une vie, de ce que l'on croit voir, de ce que l'on croit percevoir, de ce qu'on croit ressentir. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Ce que j'ai aimé dans ce manga, en fait, c'était tout simplement que, honnêtement, si ça existait, je pense que je le ferais aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé pas mal, c'était donc de voir que ferait une personne s'il n'y restait plus que 3 mois à vivre et un peu moins de 3000 euros. Ce qui n'est pas grand chose, je dois te l'avouer. Et donc c'est le manga a su vraiment montrer des choses très intéressantes. Je ne peux pas trop t'en parler parce que nous sommes sur un manga en 3 tomes, il se passe beaucoup de choses, ça va... Alors, je vais dire assez vite, parce que 3 mois en 3 tomes, ça passe assez vite forcément, mais... Le manga est vraiment très intéressant dans son ensemble, le manga est super sympa. Le manga peut peut-être permettre à des gens de comprendre aussi ce que c'est que de se considérer comme minable, comme ne rien valoir, etc. Donc j'ai trouvé le manga vraiment très intéressant dans un sens. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont à... comment dire ? Qu'une personne qui n'est pas comme moi, qui n'est pas en dépression, en déprime ou quoi que ce soit, enfin en grosse déprime qui dure très très longtemps ou qui ne se sent pas nulle, naze, voilà, ça peut faire réfléchir, faire comprendre, etc. les autres, et ça je trouve ça plutôt pas mal.
Ce que j'ai aimé aussi, ce sont les choix et ce qui se passe dans le manga. L'histoire est tout à fait logique, possible et cohérente. Et c'est ça que j'ai su apprécier. L'histoire n'est absolument pas du tout écourtée ou mal travaillée. Bien au contraire, je trouve que l'auteur a su gérer à la perfection son œuvre. Et c'est ça qui est très intéressant à lire. Et j'ai vraiment aimé la façon dont l'histoire a été développée. Je te dirais même que j'ai tellement aimé que j'aimerais écrire moi-même ma propre version. Je veux pas dire en gros écrire mes 3 derniers mois quand je me ferai moi-même euthanasier ou un truc comme ça, mais plus écrire une version de cette histoire avec les mêmes points forts du début, donc le fait de revendre sa vie, mais d'écrire un autre scénario, une autre réaction, etc., un autre comportement. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai trouvé génial. Et pour ceux qui aiment bien savoir, est-ce que je revends ou est-ce que je garde cette série. On termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirai très clairement que j'ai vraiment adoré les couvertures. J'ai préféré les deux dernières parce qu'en fait elles sont plus de nuit et la première est de jour. Donc c'est juste ça en fait qui fait que j'aime un peu, tu vois, les tons. Ça casse un petit peu qu'on soit vraiment sur le jour, tombé de soleil et là presque aussi tombé de soleil parce que c'est assez clair là où il y a mon doigt. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment aimé. Pour ce qui est de l'arrière, à chaque fois c'est un zoom, très clairement, parce que tu vois. Donc pareil, ici on est sur un zoom. Désolé, j'ai laissé l'étiquette, mais bon, franchement on voit la même chose. Et pareil pour ici, on a ça. Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette, on a à chaque fois rien de très intéressant. Tu vois. Donc voilà, ensuite quand on ouvre le manga, on est sur quelque chose d'assez sombre, d'assez sobre, pardon, que sombre, et rien de spécial à dire. Pareil, je te montre. En fait, c'est l'image là que tu vois encore plus zoomée, tu vois, mais se zoomer sur des parties sans intérêt, je trouve, mais bon, c'est comme ça, pareil, on n'a rien. On n'a pas de récap non plus des personnages, on a juste quelque chose encore une fois de très sobre, et très triste. Donc, je te montre pas le troisième titre parce que franchement c'est sans grand intérêt et c'est ça qui est bien dommage. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je pense que tu connais la chanson, on like, on commente, on partage. On n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien entendu ici mes deux vidéos, précédentes vidéos des éditions Delcourt Tonkam. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye.